difficile. Et c'est pas toi et Raïssa qui dira le contraire. Mais comme on le dit, c'est tant qu'il y a la vie et l'espoir. Tout ce que Dieu fait est bon. Bim! Janvier 2021, mariage de Tom et Raïssa. Elle s'est mariée avec l'homme de sa vie. Et cette union a été suivie par notre équipe de Pepenu Centre pendant une semaine en trois grandes étapes. Mariage typiquement traditionnel, couramment appelé mariage doula. Ce n'est pas les mariages bizarres qu'on voit partout. Mais bienvenue à Pepenu Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. Direction mariage couple Koulibaly. Bon, quand on dit mariage doula, tout le monde sait que c'est chant lexical de djabi, voile sur tête, être dans maison, en tout cas, tout le kessia là. Mais sauf que ça là, c'est pas n'importe quel mariage. Bon, aujourd'hui là, c'est le premier jour. Genre, c'est la première étape. On appelle ça le waliman. C'est la mise en chambre. Bon, écoutons la camarade de la mariée. Elle va mieux nous expliquer c'est quoi le oui. La mise en chambre consiste à faire des bénédictions. D'abord, la mariée, elle présente des excuses aux parents, aux aînés. Tous ceux qu'elle a frustrés sans s'en rendre compte et tout, elle présente des excuses à ses aînés. Puis ensuite, maintenant, on fait des bénédictions et tout, avant de la faire à soi. Ok. Vous avez compris maintenant, non? Donc maintenant, là, on va écouter la pluie de Douaou. Je souhaite toutes les bontés à mon homonyme, à ma fille. Je lui souhaite tout le bonheur. Ce n'est pas le commencement qui importe, mais c'est la fin. Que, comme le djoula le dit, elle a que fou tout tué, elle a brouni ses bois là, elle a endagné ma bois là. En tout cas, tout ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas, en tout cas, il y a même envie de pleurer. Tout ce qu'il y a de mieux dans cette nouvelle vie. MS, on a déjà parlé et tout. Donc, je ne sais pas ce qu'il peut ajouter encore. Ah, tout ce qu'il y a de mieux. Beaucoup d'enfants. Premier enfant, ça va être mon homo. Dans la vie, là, quand tu es marié, là, ton mari, là, c'est ton papa, c'est ta maman. Qu'elle respecte son mari, comme j'ai respecté aussi son père. C'est tout ce que je peux dire. Parce que je suis un homo qui a été donc, je suis un homo qui a été fait. Deuxième jour de mariage, le jour préféré des cocos, la journée Goli, les vrais dagaba, suivi du show, après que le vent de tout le monde soit rempli. Maintenant, on vient maintenant travailler sur la mariée. Troisième jour de mariage, là, c'est la partie genre. Bon, c'est pas trop chic, quoi. Vous voyez, c'est les affaires de Dieu d'une manière, là. Genre, les guides religieux, ils vont venir bailler, donner les conseils. Genre, c'est pour les mariés. Mais bon, nous, les célibataires, là, mon cher. Écoutons quand même. Bon, tchè. Bon, vous voyez, c'est ça que ça, voilà, et puis c'est ça que là aussi, mariage de Traoré Raïssa et de Monsieur Koulibaly. Ah, ce que nous on peut dire là, c'est que restez concentrés, n'écoutez pas Gbeuf des gens ou n'écoutez pas Gbeuf des gens, surtout toi Raïssa, Burkina où tu t'en vas là, fais attention aux gens là, fais attention aux gens, et puis toi Monsieur Koulibaly, le mari, notre soeur, tu l'as soulevé pour l'envoyer jusqu'au Burkina là.
faut pas se perdre. Si elle se perd là, c'est toi qu'on connaît. Voilà. Et puis aussi là, faut pas on va entendre que non, genre, elle a pleuré, un truc comme ça. Sinon, on a bras longs. Ok. Je pense que c'est tout. C'est tout, tchè. C'est tout. Non, vous avez vu, c'est ça qui est ça, quoi. C'est ça qui est là aussi. Pas Raïssa, elle est venue pour lui parler Raïssa. Alors je vous parle, elle est en train de vivre la vie de Louga avec son mari au Burkina là-bas. Bon, bon vent à eux, quoi. Maintenant, Seigneur, je m'adresse à toi. J'espère que tu nous as pas envoyé sur terre pour assister au mariage des gens sur le monde. Pas Raïssa, on parle d'elle aujourd'hui là. Il y a beaucoup de ses grosses soeurs comme nous qui voulons ce bonheur là aussi. Pardon, faut s'y sentir. Que tu vas censer pour nous, quoi. Merci.